Coucou tout le monde! Je fais coucou avec Mia. Mia, elle est trop mignonne. Bon, je la laisse et je vais vous montrer. Je viens de rentrer des courses. Enfin, on a fait un drive. On vient de rentrer, genre, il est 19h30. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Là, c'est un drive en début de mois, enfin, fin de mois. Ça va faire le mois, entre guillemets. On reprend la diète à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a plus de fruits et légumes, entre guillemets, et de choses mieux. Et surtout, on a fini la salle en bas. Donc, on va commencer aussi à reprendre, du coup, le sport. Mais bon, comme ça va beaucoup mieux, bah, je pourrais reprendre. Je suis contente. J'ai perdu beaucoup de poids depuis l'arrêt de la salle. Ça fait genre 3 mois. Et j'ai perdu 7 kilos à peu près. Donc, voilà. C'était pas du tout mon objectif premier. Mais c'est pour ça que là, je vais bien remanger pour bien reprendre du muscle. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Du coup, vous m'excuserez pour ma tête, sachez qu'il est 19h30 et que clairement je suis naze. Vraiment, je suis trop fatiguée depuis mon nouveau traitement. Entre midi et deux, j'ai fait une petite sieste de 15 minutes, ça m'a fait du bien. Mais vraiment, je suis fatiguée tout le temps, tout le temps. Pourtant, je dors très bien la nuit, je me réveille pas. Avant, je me réveillais tout le temps les nuits, maintenant non. Mais je suis quand même très fatiguée. Bon, je suis pas là pour raconter ma vie, je vais vous montrer ce qu'on a, au moins 4 ou 5 sacs. Il y en a eu pour 125 €, un truc comme ça. Donc voilà. C'est parti, let's go. En premier, on a pris un pack de lait, donc 6 briques de lait comme ça. Je vous donne pas les prix, très clairement j'ai un peu la flemme, voilà. Mais 125 € pour tout ça, en vrai, vous allez voir c'est pas cher, on a pris beaucoup de choses. Du papier toilette rose, voilà, parce que comme on a deux toilettes en haut et en bas, il en faut pour de partout. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les œufs et vous savez que qui dit reprise du sport dit protéines. Donc 30 œufs, voilà, comme ça. Donc on a pris 3 boîtes de 10, donc ça fait 30. Et ça va très très vite les œufs, je vous jure. À la maison, ça nous fait une semaine ou deux, sachant qu'on est temps à en manger. Des œufs, on en mange tout le temps, tout le temps. J'ai pris des champignons comme ça, moi j'aime trop les vrais champignons. Ensuite, des bananes, je viens de faire... Me mettre un coup avec les champignons, ça fait mal. On a 3 paquets comme ça de cacahuètes. C'est monsieur qui a pris ça pour faire du beurre de cacahuète maison. Donc bah moi j'aime pas, mais bon bref, c'est lui qui a pris. J'ai pris comme ça du pain de mie sans croûte. Donc la sous-marque, hein, comme ça, sans croûte je préfère. Pour faire par exemple, vous allez voir avec de la salade et des crottins de chèvre que j'ai pris. Je vous montrerai ça grillé, très bon. J'ai pris des noix comme ça, chocolat au lait, donc ça c'est plus pour moi, à savoir que moi j'ai pas d'objectif de perte de poids, au contraire, donc je m'autorise à manger quand même plus ou moins un petit peu de tout, bien évidemment sans manger des mauvaises graisses, mais surtout que je n'ai pas beaucoup d'appétit, donc je sais très bien que j'arriverai pas à reprendre du poids, déjà que voilà, j'arrive pas à manger, si en plus je mange que des légumes, je sais que je vais pas y arriver, enfin voilà, donc je vais privilégier des aliments qui sont assez gras et riches en bonne graisse quoi, voilà. 2 kg de spaghettis, ça c'est monsieur, il aime trop les nouilles, vraiment les pâtes, c'est sa viande chère. Et des petites tomates cerises comme ça, moi j'aime trop les petites tomates cerises, donc ça pour picorer comme ça c'est très bon. Deuxième sac, donc là c'est tout ce qui est frais. En premier j'ai pris 2 pâtes brisées, à savoir que mon stock de pâtes brisées, pâtes feuilletées et tout dans le congélateur, j'en ai plus du tout. Comme il y a eu la crémaillère, je me suis beaucoup servie de ce que j'avais déjà dans le congélateur. Donc là on va dire que je refais un stock, et pour faire genre des quiches ou des trucs comme ça c'est très bien. Ensuite 2 kg de fromage blanc 0%, ça c'est pour monsieur puisque moi je n'aime pas, ou alors dans les recettes de pancakes ou gaufres, à la limite c'est des recettes qui sont allégées donc je pourrais vous faire des recettes, pourquoi pas, et vous montrer. De la feuille de chêne, il n'y avait pas la sous-marque donc on a pris la Bonduelle. Sachez que ça il y en a pour 1,50 €, c'est très cher, mais les feuilles de chêne, les vraies grosses salades à essorer et tout, flemme. Mais la feuille de chêne c'est ma vie, j'aime trop la salade. Ensuite on a pris des allumettes fumées, on en a pris des natures. Du gruyère, ça pour faire genre des lasagnes, des gratins, tout comme ça et tout. Faut savoir quand même manger, se faire plaisir tout en mangeant sainement. Les crottins de chèvre comme ça, donc ça avec genre de la salade et des toasts de pain de mie, trop. J'ai repris du chorizo parce que lors de ma crémaillère j'ai testé une recette que j'ai kiffé vraiment. C'était des petits cakes au chorizo, je vous jure, un délice. Je vous ferai peut-être une recette, je vous montrerai, c'était trop bon vraiment. C'est la première fois que je faisais et c'était mais incroyable. Donc j'ai voulu en refaire, donc j'ai repris du chorizo. Une plaquette de beurre, le beurre c'est la vie. On a ensuite des allumettes de bacon, cette fois-ci donc fumées. J'aime pas trop les lardons parce qu'il y a trop de gras. Des petits jambons comme ça, bah justement pour faire éventuellement même des petits cakes et tout, avec du camembert aussi, c'est trop bon. J'ai pas pris de camembert, j'ai oublié, tant pis. Des carottes râpées, 2 paquets comme ça de bacon et de la crème, 4% de matière grasse. La crème c'est vraiment la vie, ça va avec tous les plats, et bah là au moins c'est pas trop gras. Nous avons ensuite des oignons, voilà, des vrais oignons, parce qu'on en a des surgelés, mais des fois en avoir des vrais c'est bien aussi. Une boîte de mouchoirs, un gel douche comme ça à la mangue, il sent trop bon, j'aime trop. Ça c'est le four qui vient de biper parce que c'est en train de me dire que c'est chaud. Des lingettes comme ça pour les fesses, très important.
du dentifrice, bah oui, il faut avoir une bonne haleine, c'est important aussi. Ça c'est le détachant pour le linge, j'en mets toujours dans ma machine, c'est très bien, ça fait partir toutes les taches. Des sacs poubelles, des 100 litres, des cotons-tiges, deux paquets comme ça de petits gels mains pour laver les mains, c'est au lait miel, j'en avais plus du tout en bas, donc ça c'est bien, ça coûte vraiment pas cher. Des brosses à dents, donc il y en a 4 et c'est des souples, parce que bah, les souples c'est beaucoup mieux, enfin moi je préfère et il y a 4 couleurs. Mon shampoing, ça c'est mon premier shampoing de décembre que j'utilise tout le temps, il est très bien. Et en deuxième shampoing, bah, je varie. Ceci c'est pour les racines grasses et les pointes sèches. Donc c'est mon type de cheveux. A savoir que je lave mes cheveux une fois ou deux grand max par semaine. Des lingettes comme ça pour nettoyer genre les plans de travail, ma table basse, tout ça. Parce que c'est le lit de mon chien, ma table basse. Du papier cuisson puisque nous n'en avions plus. Et un gel douche comme ça, lait et miel. Ils sont très bons aussi. Des capsules comme ça pour le café, pour les gens qui viennent à la maison prendre un petit caf. C'était pas mon cas. Je ne bois pas de café, mais il y a des gens qui viennent et puis j'ai la machine à café qui est juste là. Et là le gaufrier, c'est parce qu'on avait fait des gaufres hier. Oups. Deux boîtes de champignons, niveau rapport qualité prix c'est très bien et je les trouve très bons. J'aime pas les surgelés mais ceux en boîte je les aime bien. Et quand des fois bah, t'as pas envie clairement d'éplucher tes champignons, bah ça c'est très bien. Des tampons mini, voilà, très bien. Deux boîtes, enfin deux pots de sauce tomate. Un kilo de Nutella parce que le Nutella c'est ma vie entière. Un petit pot comme ça de confiture fraise allégée en sucre. Ça avec de la brioche le matin, brioche grillée ou même sur des tartines avec du pain, du beurre et de la confiture. C'est ma vie. La seule chose c'est qu'elles pourrissent très très vite. Donc faut faire attention, genre un mois d'ouverture grand maximum. Et des fois moi le pot me fait pas un mois parce que c'est vrai que je préfère le Nutella. Oups. Des miettes de thon comme ça à l'huile. Donc ça c'est des petites boîtes. 5 tablettes de chocolat. Une boîte d'haricots verts extra fin. Du lait de coco Eco Plus. Je ne connais pas, je l'ai jamais testé. Donc je sais pas s'il est bien ou pas. Mais je savais même pas qu'ils nous en faisaient. Je pense que c'est nouveau quand même. Des petits pois carottes. Et 3 boîtes de thon comme ça. Ça c'est du thon au naturel. Donc c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'huile dans celui-ci. Mais c'est des grosses boîtes. Donc quand on est deux c'est bien. Mais quand je suis toute seule c'est vrai que ça c'est trop pour moi. C'est pour ça qu'on prend des petites boîtes. On passe au dernier sac. Donc on a 1 kg de farine. 2 kg, 3 kg, 4 kg et 5 kg. Voilà, 5 kg de farine. On rempote un petit peu l'épicerie du bas parce que clairement, ben, on n'avait plus de farine. Donc voilà, là on a 5 kg, on est bon pour quelques mois. Un paquet de sucre en poudre, 2 paquets de levure chimique, 2 poissons à la bordelaise comme ça, des petits colins d'Alaska, très bons, des pommes noisettes, parce que ça c'est ma vie entière les pommes noisettes, je vous jure j'aime trop. Et on termine avec des pommes rissolées, donc ça je vais en mettre au four parce que c'est ce qu'on va manger ce soir avec du poulet et des champignons. Voilà, parce qu'il faut savoir que ça ce n'est pas si gras que ça, c'est de la patate mais bah, on peut manger de tout, il suffit juste de savoir doser des quantités. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour les courses. Donc je vous dis à peu près ouais, 125 euros, un truc comme ça. À savoir que j'ai fait aussi un TikTok parce que maintenant je suis aussi beaucoup active sur TikTok. Je mets des TikTok tous les jours. Oui, oui, qui l'aurait cru, moi qui détestais TikTok. Mais bref, du coup, des fois je fais des vidéos aussi sur YouTube et sur TikTok. Par exemple, j'ai fait aussi un retour de course sur TikTok. Et je vous mets ici aussi parce que bah, mes abonnés les plus fidèles sont ici quand même. Donc voilà, je vais aller mettre du coup et préparer à manger, ranger toutes les courses et aider monsieur qui est en train de finir de coller les miroirs pour la salle de sport en bas. Et je vous ferai bientôt une vidéo où je vous montre du coup la salle de sport finie parce que ça y est, enfin c'est terminé. Donc après je vous montrerai mon petit programme de sport, tout ça, j'ai trop hâte de reprendre. Donc voilà, c'est bientôt, d'ici peu on va dire. Bref, donc voilà, d'ailleurs ma coupe, genre je n'étais pas du tout coiffée, hein, c'est vraiment chignon de la flemme. Et d'ailleurs, j'ai oublié ma carte vitale chez le médecin tout à l'heure, enfin chez le neurologue, parce que j'y suis retournée. Et il m'a dit qu'on allait peut-être éviter les perfusions. Donc je suis contente. Bref, bah du coup voilà, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour les petits bruits parasites, c'est Mia qui joue dans les sacs, comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Mais elle aime trop m'embêter, voilà, qui aime bien, châtie bien. Bon, du coup, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo à 10h sur ma chaîne.